j'habite seul avec maman, à l'Élysée évidemment. Une merveille pour nous servir le jour, la nuit. 800 personnes sont asservies. Sur nous elles veillent pour que maman puisse dépenser. Je dois chaque jour racketter les vieux, les vieilles, car ces salauds de retraités avares refusent de financer notre vaisselle pour nos vacances dans le vieux fort. Il nous fallait plus de confort, une piscine. On descend souvent voir les gueux, on fait des selfies avec eux, on les fascine. On me reproche bien souvent, les jaloux bien évidemment, mes privilèges. Mais je suis là pour profiter, au diable l'exemplarité. Je suis banquier et pas Blanche-Neige. Bien sûr, j'ai placé mes copains, que des voyous, des bons à rien, des sans complexe, dès lors qu'ils approuvent mes idées. Leur avenir est assuré, rien ne les vexe. Chaque semaine, le mercredi, on se retrouve tous entre amis. Que des ministres, et chacun propose sa loi, même si c'est du n'importe quoi. On est sinistre. On les soumet aux députés, sachant pour sûr qu'elles vont passer. Ça nous amuse, mais voyez-vous, nous, on s'en fout. L'opposition n'est plus dans le coup. On la récuse. Quelques-uns veulent jouer les ténors, des oraux redresseurs de tort. Mais ils s'épuisent, car ils peuvent tous vociférer. Je suis banquier, qu'ils se le disent. Je rencontre d'autres dirigeants, avec eux on ne parle que d'argent. On se rassure, on fait croire que tout va changer. Mais en fait, rien ne doit bouger. On se le jure, je ne suis pas décisionnaire, car c'est bien grâce aux milliardaires que je dirige. Les lobbies sont tellement nombreux, et si je ne joue pas leur jeu, ils me fustigent. Aujourd'hui, je suis contrarié à cause de ma notoriété. Elle est en baisse. Je viens de séduire les chasseurs, et pour les autres, je suis preneur. Passez en caisse. Je suis prêt à tous vous acheter. Pour le prix, on peut négocier. Qu'on se le dise, car ce qui compte, vous le savez, c'est le pognon que je peux gagner. Je suis banquier et ça me grise.